Les vacances scolaires n'ont pas le même parfum pour tout le monde, alors que certains consacrent leur temps aux loisirs. D'autres, comme ces élèves de primaire, passent une partie de leur temps libre cette semaine à travailler grâce au stage de remise à niveau. Ici à l'école Charpak, rue de Québec à Troyes, 14 écoles troyennes sur 17 mettent en place ces stages. Axés sur le français ou les mathématiques, les enseignants font leur possible pour trouver des méthodes pédagogiques plus attractives pendant ces stages. Cette fois-ci, même les CE1 sont invités à suivre ce soutien scolaire. Écoutez les précisions de Sybille Bertaille, maire adjointe à Troyes, en charge de l'éducation, au micro de Geoffrey Faudimbi. La grande nouveauté cette année, et qui est un peu innovante sur le département de l'Aube par rapport au national, c'est qu'il y a des stages pour les enfants en CE1. C'est l'inspection académique qui a pris cette décision, d'ailleurs qui m'accompagne aujourd'hui. C'est tout simplement parce que c'est une fin de cycle, le CE1. L'entrée en CE2 est extrêmement importante, et il paraissait intéressant de pouvoir aider les jeunes en difficulté ou sur des sujets spécifiques, de les accompagner pour terminer cette année et faire une entrée sereine en CE2.